Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo dans la chaîne de françaismaroc.com. Aujourd'hui, on va voir la production écrite pour les débutants. Bien sûr, il s'agit du texte argumentatif parce que les élèves de la première année baccalauréat sont demandés de rédiger une production, bien sûr, qui entre dans le type argumentatif. Et ça sera en 8 étapes. Commençons par la première étape. Alors, qu'est-ce que je dois faire, première des choses, pour mon sujet de production écrite? Je dois lire attentivement et plusieurs fois mon sujet. Et bien sûr, en même temps, après la lecture, à plusieurs reprises, je souligne les mots-clés, ça veut dire les mots importants, qui sont dans le sujet, parce que je dois les utiliser après dans mon introduction. Alors, je dois repérer la situation de communication, ça veut dire ce qui est demandé à moi dans ce sujet. Alors, écrire, quatrième des choses, c'est écrire mon point de vue sur le brouillon en haut. Pourquoi écrire mon point de vue? Parce que ça va me faire gagner un peu de temps pour ne pas changer d'avis à chaque fois. Alors, je dois choisir le plan avec lequel je dois travailler. Alors, avant de commencer, bien sûr, d'écrire quelque chose, au niveau des arguments, je dois choisir un plan. On va le voir en détail. Deuxième étape, toujours, une fois le sujet bien lu, bien analysé, vous jetez vos idées au brouillon. Alors, cherchez les arguments propres à soutenir, à soutenir votre thèse. Pour chacun, trouvez un exemple précis à développer, sinon une explication. Bien sûr, pour écrire une bonne argumentation, il faut consolider vos arguments avec des exemples. Sinon, vous ne trouvez pas un exemple, il faut ch chercher une explication. Classez vos arguments du moins fort au plus fort. Alors ça, c'est logique, on laisse toujours l'argument le plus fort le dernier. Alors ce tableau résume ce qu'on doit faire si on choisit de travailler avec un plan simple. Alors ça veut dire quoi un plan simple? Ça veut dire que je dois défendre mon point de vue avec trois arguments. Je ne vais pas parler d'un autre plan, le plan dialectique par exemple, que je dois donner des arguments pour et contre, etc. Mais ici, je donne seulement trois arguments qui défendent ma thèse. Alors, j'ai commencé à gauche, comme vous le voyez, par les arguments les moins forts, moyens et plus forts. Alors, ce tableau me fait gagner beaucoup de temps, quelques minutes bien sûr, au jour de l'examen régional, sinon dans les contrôles. Pourquoi? Parce que c'est pratique. Alors, vous avez des liens logiques qui facilitent bien sûr de copier à partir du brouillon dans la feuille de l'examen. Aussi, il y a les arguments. Alors, j'écris mes arguments ici, alors dans la colonne. Elle doit être plus bien sûr large que les autres colonnes. Et après, je cherche les explications ou exemples. Alors, je dois commencer bien sûr par chercher des arguments parce que dans cette étape, il faut consacrer 20 minutes. Alors, je cherche trois arguments. Après les arguments, je cherche les explications. Alors, j'ai terminé mon développement à partir de ce tableau. Alors, le plan dialectique, alors c'est différent un peu. Il y a la thèse et l'antithèse. Bien sûr, il faut avant chaque argument donner ou bien écrire des liens logiques. Alors pour ne pas répéter d'abord, ensuite dans les deux paragraphes, pour et contre, je change, j'écris d'abord, ensuite, premièrement, deuxièmement. Et pour les liens logiques d'explication, vous avez plusieurs liens logiques à présenter, bien sûr, pour chaque exemple, sinon explication. Alors, il ne faut pas oublier de commencer par les arguments les moins forts et vers la fin, on laisse ou bien on écrit l'argument le plus fort. Troisième étape, en écrivant, vous notez les arguments l'un après l'autre sans sauter de ligne. Alors, il ne faut pas sauter de ligne dans le développement. On fait point après la thèse et on revient à la ligne pour écrire les arguments de l'antithèse dans le plan dialectique. Alors, on passe à l'étape numéro 4. Au brouillon, il faut utiliser bien sûr les bons liens logiques selon ma production, bien sûr.
Toujours dans la quatrième étape, ici vous avez à gauche un plan simple, à droite un plan dialectique. Alors, plan simple, vous voyez que il y a seulement d'abord, ensuite, enfin, parce qu'on présente seulement trois arguments. Dans le plan dialectique à droite, vous voyez qu'il y a d'une part, d'autre part. Alors, deux arguments pour soutenir la thèse, d'abord, ensuite, et deux autres arguments pour soutenir l'antithèse, premièrement. Deuxièmement, et vous voyez en haut, il y a l'introduction ici à gauche qui commence par au Maroc et à droite qui commence par actuellement. À gauche, bien sûr, bref, dans la conclusion et pour conclure dans la conclusion du plan dialectique. Et ce sont des liens logiques que vous pouvez changer, bien sûr, pour conclure, enfin, finalement, etc. Cinquième étape, c'est rédiger l'introduction. Alors, c'est quoi l'introduction? L'introduction, elle doit se composer des mots clé, ça veut dire les mots que j'ai soulignés au début après la lecture du sujet. Alors, présenter la problématique, c'est la deuxième partie de l'introduction, bien la dernière partie de l'introduction. C'est quoi la problématique? C'est une question à laquelle je dois répondre dans mon développement. Alors, dans l'introduction, on ne doit pas donner des arguments, bien sûr. On ne doit pas donner un autre point de vue. Ne pas utiliser je, nous, tu, vous, surtout dans la problématique. Et généralement, on utilise le pronom personnel en qui se conjugue comme je et il au singulier. Alors, cinquième étape, quelques exemples d'introduction. Alors, vous pouvez faire pause, bien sûr, et écrire. Alors, dans le vide, vous utilisez les mots-clés que vous avez déjà soulignés dans votre sujet au début. Alors, sixième étape, vous pouvez ensuite recopier. Alors, vous avez le tableau, vous avez votre introduction déjà écrite, vous avez la conclusion déjà écrite. Alors, vous commencez à recopier, ne passe, et on saute une ligne après l'introduction. Et on saute une autre ligne après le développement pour avoir seulement trois parties. Étape numéro 7. Alors, on rédige la conclusion. Alors, c'est le bilan. C'est quoi la conclusion? C'est un lien logique. On commence, vous voyez l'exemple ici, en guise de conclusion. Ou bien enfin, finalement, etc. On doit commencer notre conclusion par un lien logique pour que le correcteur comprenne qu'il s'agit de la conclusion, bien sûr. Et après, si c'est un plan dialectique, on ajoute le point de vue. Sinon, c'est un plan simple, vous avez déjà cité votre point de vue, ne le refaites pas une deuxième fois. J'ai oublié de parler de l'ouverture. C'est une question que vous pouvez ajouter, si vous voulez, bien sûr, pour ouvrir le sujet. Alors, la dernière étape, c'est la relecture. Ça veut dire qu'il faut relire ma production que j'ai déjà écrite. Et je dois relever les incohérences que j'ai oubliées, les S, les X, etc. La conjugaison, surtout avec la troisième personne du pluriel. Généralement, les élèves oublient ENT au présent, AIENT à l'imparfait, etc. Et merci pour votre attention. On se trouve dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, en concernant la production écrite. Alors, n'oubliez pas de nous encourager par faire un j'aime et partager avec vos amis qui ont le régional cette année. Ça va leur servir à grand chose, cette vidéo. Merci beaucoup.